Hello, bienvenue pour le pari public de ce week-end. Comme chaque vendredi, je vais te donner un pari, okay, que tu peux placer pour ce week-end. N'oublie pas que si tu veux accéder à 100% de mes paris toute l'année, tu peux toujours rejoindre mon club privé betting, dont je te mets le lien dans la description de cette vidéo. Alors, ce week-end, je t'ai préparé un pari en Italie, Serie A italienne, dimanche. Quel match j'ai choisi? Le derby Juve AC Milan. Okay, donc, grand match en Serie A italienne. Au niveau du classement, tout d'abord, eh bien, l'AC Milan est quasi en tête, hein, deuxième, avec un 3 sur 3 jusqu'à présent. Et la Juve, un démarrage plus difficile, comme on va le voir par après, avec 0 victoire, un match nul et deux défaites. Au niveau de la forme de ces équipes, alors il faut savoir que les deux équipes en question ont joué au milieu de la semaine en Champions League, donc pas d'avantage pour l'une ou l'autre à ce niveau-là, au niveau du temps de récupération. Au niveau des confrontations directes, des face-à-face, l'avantage est clairement du côté de la Juve, hein, ok. On voit ici hein, une majorité de victoires de la Juve, quelques victoires, mais peu hein, de l'AC Milan. À savoir aussi pour celui qui suit le championnat italien que actuellement on n'a plus vraiment la même Juve que durant les dernières années pour celui qui suit un peu le championnat. Donc ça c'est quand même à savoir avant de regarder l'ensemble des face-à-face qui sont ici. Ensuite, je vais aller te montrer les résultats ligne à ligne de la Juve et de Milan. Alors la Juve, comme je te disais, un début de championnat difficile, si tu regardes ici, deux défaites, dont une défaite à domicile et un match nul. La défaite à domicile contre Empoli, donc pas non plus un gros calibre. Bref, compliqué en ce début de championnat. Au niveau de Milan, eh bien c'est ouvert, okay, c'est bien mieux. Okay. Même à l'extérieur, à la Sampdoria, c'est une victoire 0-1. Et à domicile, c'est aussi deux victoires contre la Lazio et Cagliari. Donc là, il n'y a pas photo pour l'instant en début de championnat. C'est plutôt Milan qui a le vent en poupe et la Juve qui a du mal à démarrer. Alors la Juve a fait un bon score cette semaine en Champions League, mais à Malmö, à voir un peu la qualité de l'équipe, difficile à juger. Si c'est vraiment un déclic pour la Juve ou pas, on verra. Milan a perdu contre Liverpool, mais dans un match où Milan s'est très bien défendu contre un grand Liverpool, le score de 3-2 pour Liverpool. Donc, je vais plutôt m'orienter vers l'AC Milan, d'autant plus que la cote, comme on le voit ici, la cote extérieure est à 3,45 et la value, d'après l'algorithme de Good Profit, est du côté de l'AC Milan. Donc, la value, c'est très important. Quand on décide de placer un pari, il faut s'assurer qu'on pense en tout cas que la value est de son côté. Donc ici, je me fais aider aussi par un algorithme. 3,45. Cependant, je ne vais pas placer la victoire sèche comme tu t'en doutes ici. Donc si je vais sur Oddsportal, je vais plutôt m'orienter vers le double chance, match nul, victoire de l'AC Milan. Pourquoi? Parce que c'est quand même la Juve, même si c'est un début difficile, c'est un match qui va tenir à cœur pour la Juve. Hein, c'est le grand derby. Ça peut toujours être compliqué. Donc, je vais me situer, je vais me diriger vers le double chance match nul ou Milan à la cote de 1,73 en moyenne sur les bookmakers.com. La cote max est de 1,80. Je peux te dire que sur un betting exchange comme Betfair, Orbitix, elle est à 1,84. Okay. Si jamais le double chance, comme c'est le cas ici, n'est pas encore ouvert, donc le marché double chance n'est pas encore ouvert sur ton bookmaker ou sur ton betting exchange, tu peux le remplacer par l'handicap asiatique moins 0,5. Ces marchés-là sont déjà ouverts. C'est d'ailleurs là que la cote est à 1,84. Okay, donc handicap asiatique moins 0,5 pour le favori qui est la Juve. Ça correspond exactement au double chance, match nul, victoire, équipe extérieure. Donc ça veut dire que dans ce pari, sur ce pari, ok, Juve Milan. Eh bien, si c'est match nul et que tu places une mise de 100 euros,
eh bien, tu gagnes 84 euros. Si Milan gagne, tu gagnes 84 euros. Seulement si la Juve gagne, là, tu perds ta mise de 100 euros. Maximum 2% de ta bankroll, hein. Maximum, maximum. Au niveau des blessés, je ne te l'ai pas dit, tu as Ibrahimovic, mais il faut savoir qu'Ibrahimovic à Milan est blessé depuis le début de saison quasiment. Il a joué quelques minutes le dernier match, mais donc voilà, l'état de forme de Milan n'est pas vraiment lié à Ibrahimovic en ce début de saison. Alors le match a lieu dimanche 20h45, je te rappelle, Juve Milan, double chance à 1,84, double chance Milan ou match nul. Si tu aimes ce pari, en tout cas si tu es d'accord avec mon pari, laisse-moi un like. Sinon, laisse-moi un dislike si tu n'es pas d'accord. Pour toute question, eh bien, pose ta question en commentaire de cette vidéo. Et si ce n'est pas encore fait, mais je suis sûr que c'est déjà fait, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube. Je te remercie. Bon week-end à toi et surtout, bon pari.